L'art à tout prix par Katie Hudson. Ellie adore être le plus rapide. Il peut sauter d'un arbre à l'autre plus vite que tout le monde. Il a même une collection de trophées pour le prouver. Ses trophées préférés sont ceux de la chasse aux glands dorés annuels. Seuls les animaux les plus rapides remportent cette compétition. Ellie a gagné le trophée les 8 dernières années. Mais cette année, c'est différent. Tous les concurrents doivent faire partie d'une équipe pour partager à la course. Lee, Cajou, Castor. Ellie, l'écureuil, s'exclame « Je suis l'animal le plus rapide de la forêt. Je n'ai pas besoin d'une équipe. Mais on aimerait être dans ton équipe. Ellie, réplique Loulou Lapin. Vous? Dit Ellie en observant les amis. Il ne lui semble pas être à la hauteur pour la course, mais Ellie n'a pas le choix. La compétition a lieu demain. Peut-être qu'avec un peu d'entraînement, tout ira bien. Ou peut-être pas. Le lendemain matin, Ellie rassemble son équipe sur la ligne de départ. Le gland doré a été caché, déclare le juge. À vous, marque, prêt, partez! Zoom! Ellie l'écureuil s'élance, dépassant tous les autres concurrents, même les membres de sa propre équipe. « Attends, Ellie !» crient ses amis. « On a perdu Tutu-Tortue !»« Ah, Tutu !» dit Ellie en faisant demi-tour. Ellie attrape Tutu-Tortue, le remet sur la branche et repart. Mais pas pour longtemps. « Attends, Ellie !» s'écrient ses amis. « On est tout emmêlés !» Ellie revient démêler ses amis et repart pendant environ 10 secondes. Vous n'êtes pas sérieux, Ginny. Attends, Ellie, crie ses amis. Cajou est coincé. Voyons donc, grogne Ellie. Une fois Cajou dégagé, Ellie repart aussitôt. Il court si vite qu'il n'entend pas ses amis l'appeler. Sous les branches, entre les troncs et par-dessus les cimes des arbres, Ellie file à toute vitesse afin de trouver le gland doré jusqu'à ce que le voilà. C'est le plus gros qu'il ait jamais vu. Ellie se sort de sa cachette et repart. Mais le gland est lourd, beaucoup trop lourd pour Ellie. Et Ellie est seule, seule avec son prix doré. Après l'avoir poussé, tiré et hissé, il fait une petite pause. Il est fatigué, essoufflé et tout seul, en regardant les autres concurrents à la recherche du gland, Ellie s'aperçoit qu'il a perdu ses amis. Le trophée va devoir attendre. Zoom! Il s'élance plus vite que jamais. Sous les branches, entre les troncs et par-dessus les cimes des arbres, il file à toute vitesse jusqu'à ce que... Les voilà! Après les avoir poussés, tirés et hissés, Ellie est enfin avec ses amis. Son équipe ne franchit pas la ligne d'arrivée en premier, et n'obtient pas le trophée, mais ce n'est pas grave. Car, dorénavant,
Les amis d'Élie Écureuil passeront toujours en premier.